Ici à toutes les personnes qui sont venues, merci à toi pour nous donner la parole. Moi je ne suis pas Florian, moi je fais partie de Stras, et moi je suis très content de dire qu'on est là. On est là les putes. On est là les travailleurs sexuels. On est là dans un contexte de criminalisation, de pénalisation des clients. Donc dans un contexte de criminalisation, on est toujours expulsé, criminalisé, précarisé. Et notre santé, le niveau d'infection au VIH dans notre santé s'augmente. Il s'augmente à cause de la criminalisation du travail sexuel. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel au gouvernement français, à la mairie de Paris et à toutes les institutions du système d'immigration. Et à toutes les institutions de santé pour que notre voix s'entende et pour arrêter la mobilisation de la sexualité. Il faut arrêter avec la criminalisation de notre client. On a besoin de quoi? On a besoin pas des institutions qui soient bénéficiées avec les budgets pour nous sauver avec votre parcours de sortie de la prostitution. On n'a pas besoin de un parcours de sortie de la prostitution. On a besoin de l'amélioration de notre condition de travail. Et c'est ça. On a besoin de l'amélioration de notre condition de travail. Donc, merci à tous vous pour être venus. Et on fait l'appel parce qu'on a besoin de logements, d'urgence, d'hébergement d'urgence pour nos collègues qui sont malades. Ils sont infectés pour le VIH et que notamment ils sont venus pour se faire infecter ici parce qu'on est dans une situation de criminalisation et de pénalisation. Moi je pense que c'est la colère, on est en colère toujours. Merci à tous vous pour être venus là, excusez-moi mais c'est mon message. Merci et la révolution continue.